Salut à tous, très heureux de vous retrouver ici à Manchester, à l'Etihad Stadium. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. On a hâte que ça commence parce que ça va être un vrai plaisir de suivre cette rencontre et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Quand on aime le football, on est impatient, j'ai déjà envie que ça commence, vamos! C'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Ah non, c'est pas bien relancé du tout ça. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, pénalty. C'est donc un carton jaune pour cette faute. Il y a déjà un pénalty, ça me semble une bonne décision. Très bien joué, pénalty transformé, très bien exécuté. Et voilà, s'anticipe d'un côté, le tir en plein milieu. C'est simple, c'est efficace, c'est le pénalty qu'un enfant pourrait tirer. Mais moi, je me pose toujours la question, pourquoi anticiper ? Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Pronom. Et l'équipe reprend la possession. Une frappe lointaine déclenchée, peut-être un peu trop tôt, et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Clairement. Bon pressing, ballon récupéré. Ah, la frappe est contrée. Ah, la perte de balle. Esta es una llamada para los padres de Clara y Mateo. Nuestros hijos. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Quel bon sang, toujours dangereux dans la surface. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Voilà, une tête qui passe loin des montants, dommage. Non, Tchouaméni qui va perdre la balle. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Campos. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ouais, bon tac, ce ballon récupéré. Ah, il est loin. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Peter Schmeichel. Ah, le ballon récupéré sans commettre de faute. Et voilà une frappe à vite oubliée. Frapper fort, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe.
dans les bras du gardien sans difficulté. Et il n'arrive pas à conserver ce ballon. Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Le ballon change de camp. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. La frappe. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien tenté. Le score reste serré pour l'instant. Attention, c'est mal relancé. Et ça joue sur Rodrigo. Évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. La frappe lointaine, pas de véritable difficulté sur ce ballon. Aïe, 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 l'idée était bonne, le tir en finesse, mais ça manque d'application. Même en essayant de la placer, ça manquait de justesse, des directions surtout. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Les chiffres confirment que l'équipe visiteuse court après le ballon. Pourtant, les chiffres de la possession, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas nécessaire d'avoir souvent le ballon. Si tu marques à chaque fois que tu le récupères, ça suffit pour gagner un match. Campos avec l'interception et le ballon est récupéré. Encore quelques minutes avant la pause et ça va plutôt bien là pour l'équipe en déplacement. C'est plutôt un bon match pour l'instant, même si la situation est très serrée. La priorité c'est de maintenir ce but d'écart avant d'aller au vestiaire. Attention à cette frappe. La frappe contrée sans souci. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Ça sort des limites. C'est une touche. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et bien fait, quelle ouverture!
Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Et c'est donc la mi-temps dans ce match. Les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes, grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty. C'est vrai qu'un pénalty sifflé si tôt dans une rencontre, ça change complètement un match. Mais c'est fait. Et maintenant, il faut se concentrer sur la suite de la rencontre. Il reste évidemment encore une mi-temps à jouer. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Tchouaméni. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Ouais, une bonne charge. Dani Carvajal. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ah, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Ederson. Sorti en touche. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ballon pour Carvajal. Le centre vers la surface de réparation. Et oui, le bon réflexe. Peter Schmeichel. Ballon vers Bruno. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Rien de très difficile sur cet arrêt. À cette distance, pourquoi pas. Et le ballon bien claqué par le gardien. Ouais, ce ballon qui sort et c'est donc un corner. Depuis l'aile, il repique dans l'axe. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps. Quoi qu'il en soit, c'est passé loin du cadre adverse.
Aïe, la mauvaise passe, c'est rendu directement. La défense prend le dessus, le danger est écarté. Nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Et le ballon est dangereux, mais il sort finalement en corner. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et y croit à cette égalisation. L'entraîneur va réaliser un double changement. Il est bien frappé ce corner. Et c'est au fond, l'égalisation. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner, et c'est vrai qu'il est très bien frappé. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique. Ah, le score de parité est donc un partout. Les 20 dernières minutes de la rencontre. De la Croix. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Elle s'est envoyée vers la surface. Ah, le ballon passe finalement très près du poteau sur cette reprise de la tête. Quelle erreur sur cette relance! Et ça joue sur Fede Valverde. Et ce centre vers le point de pénalty. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Campos. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Oh, la tentative lointaine, frappe surpuissante, et vu la distance, il fallait oser. Le but est manqué pour pas grand-chose, hein, et c'est tout à son honneur. Peter Schmeichel. Cette attaque peut être décisive. Un but maintenant et c'est fini. Ah, tiens, il y a un hors-jeu là qui est signalé. Ah, bonne couverture de balle pour temporiser. Et pas d'erreur là-dessus, attention. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah, l'intervention éloigne le danger.
Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Bono. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Tir contré sans difficulté. Allez, les coups de pied arrêtés, c'est une occasion de marquer. Il faut s'appliquer sur ce corner. Allez, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Et ce corner est joué court. Oui, ce ballon est intercepté. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Et ici, l'occasion pour mener. Et but ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. On la revoit, cette frappe au premier poteau, c'est très bien joué dans le trou de souris, même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Et avec ce but, ça fait donc demain au tableau d'affichage. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Et voilà, l'arbitre intervient et siffle la fin du match. Et donc, ça se termine avec une victoire à l'extérieur. Et oui, c'est ce but dans la dernière minute qui a fait la différence. Quelle explosion de joie! C'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Voilà, une tête qui passe loin des montants, dommage. Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire, ça sort. La frappe. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien tenté. Le score reste serré pour l'instant.
cette distance, pourquoi pas. Et le ballon bien claqué par le gardien. Et ce ballon qui sort, et c'est donc un corner. Ouais, depuis l'aile, il repique dans l'axe. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps, quoi qu'il en soit. Ouais, bien frappé ce corner. Et c'est au fond, l'égalisation. Goal. Le ballon passe finalement très près du poteau sur cette reprise de la tête. La tentative lointaine, frappe surpuissante, et vu la distance, il fallait oser. Le but est manqué pour pas grand chose, hein, et c'est tout à son honneur. Tir contré sans difficulté. Allez, les coups de pied arrêtés, c'est une occasion de marquer. Il faut ça. Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. Allez, bien frappé ce corner. Et c'est au fond, l'égalisation. Goal. L'occasion pour mener. Et but. Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match.